Notre actualité chez Henri Chalère cette année pour le PAJ, nous sommes nominés au Grand Prix donc de le PAJ et j'ai quelque chose à vous présenter. J'ai ici un régulateur de débit, donc c'est une pièce qui est disponible et qui va être disponible pour les aérosols. Notre objectif est de substituer le gaz propulseur pour justement le remplacer par de l'air comprimé. L'objectif étant de réduire la taille du contenant. On peut réduire la taille du contenant de 30%, donc on a vraiment avec ce produit une vision un petit peu plus écologique. Alors la force d'Henri Chalère, on est présent donc dans l'horlogerie depuis 68 ans. Aujourd'hui, Yannick Chalère est à la direction générale. Je l'ai rejoint il y a quelques temps. Avec Yannick Chalère, c'est la troisième génération à la tête de l'entreprise. Donc c'est une entreprise familiale. On est présent dans quatre domaines d'activité, la mécanique, l'injection plastique, l'étampage et le décolletage. Toujours très difficile dans cette période d'attirer des talents. On est en pleine expansion, on a des beaux projets comme on vient de le présenter. Aujourd'hui, on est 55 collaborateurs. Pour être plus attractif, on a le projet, on a déposé un permis et la construction d'un nouveau bâtiment commence cette semaine. Donc on va faire une nouvelle halle de production qui va être sur 3500 m² de production. Donc à terme, on va employer.